Vendredi 17 novembre 2023, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de ce journal, le collège d'enseignement général de Komiguéa, dans la commune de Ndali, a un nouveau directeur. Il a pour nom Abdelkader Nasser Souman. Il remplace ainsi Nassirou Mama à la tête de cet établissement. À suivre en début d'édition, la cérémonie qui a consacré son installation. Les filles des communes de Gogounou et de Malanville étaient à l'honneur les 27 et 28 octobre dernier. C'était à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la fille, édition 2023, une initiative portée par Care International Bénin Togo avec l'ONG Vie Environnement. Et puis, d'arrêter et d'apporter un secours humanitaire aux sinistrés des inondations au Bénin, des kits de vivres et non-vivres d'une valeur d'environ 108 millions ont été remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou par l'organisation humanitaire. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Éducation, pour ouvrir ce journal, le nouveau directeur du Collège d'enseignement général de Komiguéa dans la commune de Ndali, Abdelkader Nasser Soumanou, a officiellement pris service le mercredi 15 novembre 2023. Il remplace ainsi Nassirou Maman qui a passé plus de 3 ans à la tête de cet établissement scolaire. Le nouveau patron pense déjà travailler, main dans la main avec tous les responsables de ce collège pour relever les défis qui s'imposent, notamment l'amélioration des résultats scolaires. Sabu Chabé Adamou y était. Voici pour vous ces images. C'est une cérémonie de passation de charge au collège d'enseignement général de Komiguéa, dans la commune de Ndali. Abdelkader Nasser Soumanou prend désormais les commandes de cet établissement. Des mains de son prédécesseur Nassirou Maman, appelé à désormais servir à la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Borgo, après plus de 3 ans passés à la tête de ce collège. Pendant plus de 3 ans de gestion, nous avons obtenu des résultats. Certains nous ont réconfortés, d'autres ont failli nous faire perdre espoir. Mes chers collègues et collaborateurs, nous avons décidé de tenir bon, d'avancer contre vents et marées. Un tel comportement et engagement n'est pas donné à tout le monde. C'est aussi une grâce. J'ai eu, pendant plus de 3 ans, des collaborateurs administratifs qui ont partagé ma vision malgré certains moments d'incompréhension inhérents à la vie de groupe. Devant l'assistance, Abdelkader Nasser Soumanou a renouvelé son engagement, a œuvré pour la réussite de la noble mission qu'il incombe désormais. L'accompagnement du personnel est également sollicité. Je réponds avec enthousiasme à cet appel au devoir patriotique pour construire sur les fondations solides que mon prédécesseur a soigneusement établi. Devant vous aujourd'hui, j'assume pleinement mes fonctions en m'engageant solennellement à faire de mon mieux pour répondre aux attentes placées en moi. Toutefois, je souhaite pouvoir compter sur la collaboration franche et précieuse des acteurs de l'école à tous les niveaux afin d'atteindre nos objectifs communs. Saluant les efforts du directeur sortant, le personnel a marqué sa disponibilité à travailler aux côtés du directeur Soumanou pour le rayonnement du CEG Komiguéa. Pour le peu de temps que nous avons passé ensemble, je crois que ça fait 3 ans et quelques, je voudrais vous remercier pour l'excellence des liens que nous avons pu lier ensemble pour le plus grand bien de nos enfants. Nous vous rassurons, monsieur le directeur entrant, que vous pouvez bel et bien compter sur la disponibilité des membres de l'administration, sur celle du personnel enseignant rompu à la tâche et sur celle des autres acteurs du système pour la réussite de votre mission. Nous avons le devoir de vous informer que les défis à relever cette année sont énormes. Le premier en lice étant bien entendu l'amélioration des résultats aux différents examens. Il faut souligner que le directeur Abdelkader Nasser Soumanou était jusqu'à sa nomination censeur au Collège d'enseignement général Albarka de Parakou.
Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être. C'est le thème qui a retenu les attentions au cours de la célébration différée de la Journée internationale de la jeune fille dans les communes de Gogounou et de Malanville. Un événement qui a permis de faire un état des lieux en ce qui concerne la protection des filles au Bénin. Folarin Abi et Kurt Zamba nous en disent plus à travers ce reportage. C'est cette ambiance qui a lancé les hostilités de la Journée internationale de la jeune fille édition 2023, célébrée en différé par CARE International Bénin Togo, en collaboration avec l'ONG Vie et Environnement, les 27 et 28 octobre 2023 à Malanville et Gogounou, sous le thème « Investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être ». Cette célébration s'inscrit dans la mise en œuvre du projet YES, mise en œuvre par l'ONG Vie et Environnement, sous le leadership de CARE International Bénin Togo, qui a bénéficié de l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Selon les statistiques, les filles dans le monde entier et dans notre pays, le Bénin, sont victimes d'inégalités de tous ordres, de maltraitance et d'exploitation. Durant ces dernières années où la JIF a été déclarée, plusieurs investissements ont été réalisés par les partenaires techniques et financiers pour protéger les filles. Ces investissements se sont accrus au cours de ces cinq dernières années où le gouvernement béninois a pris des résolutions fermes et introduit des réformes allant dans le sens d'assurer la protection totale aux filles et de leur permettre d'éclore leur potentiel essentiel au développement du Bénin. Le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Vie et Environnement n'a pas manqué de remercier les partenaires à divers niveaux. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'UNFPA, qui est le partenaire technique et financier de cette initiative. Mes sincères remerciements vont aussi à l'endroit de CARE International Bénin Togo et des directions techniques des ministères sectoriels qui œuvrent quotidiennement pour la protection des droits des filles et l'amélioration de leurs conditions de vie. La célébration de cette Journée internationale de la jeune fille vise à renforcer le leadership des jeunes filles et leur capacité à dire non à toutes sortes de violences à travers l'amélioration de leur environnement de vie. Aujourd'hui, nous célébrons la fille. Pour moi, ça ne devait pas être une fête. Mais je pense que nous devons continuer dans cette lancée et qu'ensemble, nous puissions continuer la réflexion autour de la fille pour que ses droits puissent être respectés, pour qu'elle soit exempte de toute violence, pour que finalement, son bien-être soit au rendez-vous. Les jeunes filles de Malanville et Gogounou ont remercié les responsables de cette initiative et ont profité de cette célébration pour faire une plaidoirie à l'endroit des parents et autorités compétentes. Nous profitons de l'occasion pour témoigner toutes nos gratitudes pour vos multiples actions pour l'épanouissement de la jeunesse de Gogounou. Nous plaidons à l'endroit du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance et celui de la santé pour une prise en charge gratuite des filles vulnérables de VBG. À nos parents, nous voudrons rappeler que les méthodes contraceptives sont d'une importance capitale à notre époque. Le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance de la Liborie et la représentante du directeur départemental de la santé ont salué cette initiative, remercié les partenaires et se sont engagés à jouer leur partition pour le bien-être de la jeune fille. Nous avons apprécié l'initiative, c'est pourquoi nous avons voulu l'accompagner. Je voudrais les féliciter et les encourager à continuer sur cette lancée. Nous sommes toujours prêts à être à leur côté à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça. C'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus au nom du DDS, l'ONG Vie et Environnement pour tous les efforts visant à améliorer les conditions
de nos jeunes filles et des femmes du département. Le représentant de la première autorité de Gogounou se réjouit du choix porté sur sa commune pour abriter cet événement et rassure de son entière disponibilité à œuvrer pour l'épanouissement des jeunes filles de Gogounou. Le message de plaidoyer n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et sera transmis à qui de droit. Je vous rassure que l'accompagnement de la mairie ne fera pas défaut pour le respect des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes dans la commune de Gogounou. Le point focal de l'Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains au CPM rassure et interpelle les jeunes filles. Les dispositions légales en la matière sont prévues contre les auteurs. Chers filles, je n'ai qu'une doléance à votre endroit, c'est de prendre soin de votre corps, car à l'étape de votre vie, les études valent plus que tout. L'ONG Vie et Environnement, à travers cette célébration de la Journée internationale de la jeune fille, entre en droite ligne avec les objectifs de CARE International Bénin Togo et son partenaire technique et financier UNFPA, qui est de vaincre la pauvreté et de parvenir à la justice sociale. Direction Cotonou à présent, suite aux inondations dont ont été victimes plusieurs localités du Bénin, et après l'appel à l'aide du gouvernement aux partenaires, Direct Aid a répondu favorablement. Des kits de vivres et non-vivres d'une valeur d'environ 108 millions ont été remis au ministre Alassane Seydou par l'organisation humanitaire le mardi 14 novembre 2023 dans la capitale économique du Bénin. Il s'agit entre autres de pâtes alimentaires, de nattes, de feux de tôle, de bacs motorisés. Reportage. Plus de 108 millions de francs CFA de matériel offert aux populations victimes des affres de l'inondation. C'est la valeur des kits de vivre et non-vivre remis au gouvernement par l'organisation internationale humanitaire, la Direct Aid, résolument engagée pour le bien-être des populations, selon le représentant résident de l'organisation. C'est dans ce dernier cadre et dans l'optique de la mise en application de l'accord de partenariat signé entre Direct Aid et l'ANPC, que s'inscrit la présente cérémonie de Direct Aid organise en commun accord avec l'Agence nationale de protection civile la distribution de 2000 kits de vivres et non-vivres et de 5 barques motorisées et leurs accessoires, puis des fournitures scolaires aux populations sinistrées des communes les plus touchées par les inondations d'un coût global de 108 240 000 francs CFA. Ces kits sont composés de sacs de riz, bidons d'huile, tomates en boîte, de sucre, spaghettis, de coquillettes, de sel de cuisine, de savon, couverture et moustiquaires de fer, moustiquaires de feuilles de tôle, de nattes et de eau de javel. La cérémonie de remise de kits de vivres et non-vivres s'est déroulée en présence du préfet de l'Ouémé, représentant les préfets et des maires des localités concernées. Cette cérémonie est une illustration de notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination à faire front aux redoutables défis inhérents à cette complexe mission qu'est le développement local durable pour le bien-être de nos paisibles populations. C'est pourquoi j'adresse à Monsieur le représentant résident mes vifs remerciements pour non seulement la présente cérémonie, mais pour les efforts que vous ne cessez d'accomplir aux côtés du gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, en faisant de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille. J'invite les bénéficiaires à faire bon usage des dons qui seront reçus. La répartition des kits est assurée par l'Agence nationale de protection civile, bras opérationnel du gouvernement en matière d'assistance aux populations victimes de catastrophes naturelles. Le gouvernement du Bénin, par la voix du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, salue l'engagement de l'organisation Direct Aid à soutenir les familles sinistrées. À ma qualité de président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ma profonde gratitude aux responsables de Direct Aid
pour leur disponibilité permanente. Je saisis également la présente occasion de remise d'assistance humanitaire au profit des communes de Malanville, Kandi, Karimama, Ndali, Soava, Toribosito, Dambo, Bonou, Agégué, Atiémé, Lokosa, Wessé et Savalou pour rassurer d'arrêt aide qu'une répartition judicieuse sera faite aux populations cibles. À cet effet, des instructions ont été données à l'Agence nationale de protection civile pour encadrer et superviser les opérations de distribution. J'invite particulièrement les maires des communes bénéficiaires de bacs motorisés à en faire un bon usage tout en prenant les dispositions nécessaires à leur bon entretien. Plusieurs maires des communes concernées ont assisté à la cérémonie de remise de kits composée, entre autres, de sacs de riz, d'huile, de sucre, de sel et de savon. Les informations hors de nos frontières à présent, l'ONU a annoncé le mercredi 15 novembre dernier la reprise de ses vols humanitaires au Niger. Ils avaient été suspendus après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet dernier. L'UNRWA, le service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies, s'est notamment acheminé des produits médicaux ou à transporter des personnes malades et des personnels humanitaires. Au Libéria à présent, ce pays est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle du mardi 14 novembre dernier. Le président sortant, George Weah, est en face à l'ancien vice-président d'Ellen Johnson, Joseph Boaké. Au premier tour, les deux candidats étaient au coude à coude. Ils avaient à peine 7000 voix d'écart entre ces deux personnalités. Dans un tel contexte, les résultats sont très attendus et la CEDEAO, tout comme les Nations Unies, multiplient les appels au calme au niveau des deux parties en compétition. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Suzanne Yarour, Sabio Chabiadamou. Bon vendredi à chacun et à tous et excellent week-end par anticipation.